Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec GameX13. Bon les amis, aujourd'hui, je vous la fais courte, je vais laisser la personne concernée parler pour moi. GameX13 rend un très bel hommage à Rania, alors si vous n'avez pas eu la chance de voir cette story, je vous partage la vidéo et j'espère que la vidéo pourra rester le plus longtemps possible. Sur ce, prenez soin de vous et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bon la famille, franchement, comme je disais avec ma mère et j'en parlais beaucoup avec ma mère, on a essayé d'appeler sa mère et tout, elle répond pas trop. Mais pour vous dire un petit peu, pour vous expliquer un petit peu, j'y crois pas en fait. J'y crois pas, BY m'a appelé, il y croit pas, Yasmina elle m'a appelé, elle y croit pas. En fait, on a l'impression qu'elle est partie. Mais si je peux vous dire juste un truc, j'ai l'impression que Dieu, il est tellement grand, mais tellement grand. Un mois avant qu'elle parte, il l'a ramenée chez moi, elle a fait tout ce qu'elle a rêvé de faire. Elle a rêvé de percer sur YouTube, d'être connue, elle a rêvé de faire une musique, elle a eu. Et j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'elle a rêvé, elle l'a eu en un mois et demi, deux mois. Elle a rêvé, à l'époque, elle me disait, je rêve de faire une interview. Elle rêvait juste d'une interview. Et elle l'a eu. Et j'ai l'impression que Dieu lui a tout donné là, ces deux, trois derniers mois. C'est un truc de ouf comment le monde est fait. 40 jours avant. Comment? Parce que ça a coupé la story. Non, parce que le warqat, elle tombe 40 jours avant. Ça veut dire quoi le warqat? Zama qu'on va. Rania, oui, qu'elle sent déjà le mort. D'accord. Elle a senti qu'elle va mourir. Même fait, quand tu vois les dernières vidéos, tu vas voir dans son visage. En tout cas, juste un message à la maman. Je voulais lui faire un gros bisou, lui apporter tout mon soutien. Je vais passer te voir, Inch'Allah. Hamza, je vais passer aussi te voir. Et toutes mes condoléances à la famille. Et je tenais juste à vous dire, les abonnés, aussi pour que vous soyez un peu au courant. Rania, juste avant, c'est un message que sa mère, elle m'a dit, je tiens à te le dire. Juste avant qu'elle rentre en salle d'opération, elle parlait de moi avec sa mère. Elle parlait de moi avec sa mère. Elle a mis, un casque. Elle a mis un casque avec le Coran et elle est rentrée se faire opérer. Dieu l'a accompagnée et les écritures de notre religion l'ont accompagnée aussi. Et Rania, juste si tu vois, je sais que tu vas voir ce message. Elle voit tout là. Juste, n'oublie pas ce que tu m'as promis. N'oublie pas juste ce que tu m'avais promis. Tu m'avais promis un truc, toi et moi. Salam tout le monde. Excusez-moi de vous déranger encore une fois. C'est le cousin Rania. J'ai appris là, il y a une heure de ça.